Ibrahim Bakar. Présent, monsieur. Antifa Dimas. Présent, monsieur. Anziz Mad. Présent, monsieur. Afez Mikdad. Présent, monsieur. Dawad Srajdin. Présent, monsieur. Daoud Mchinra. Présent, monsieur. Hadia Soufiane. Présent, monsieur. Issan Abdou Ahmad. Présent, monsieur. Irshad Danim. Présent, monsieur. Ismail Antoine. Présent, monsieur. Ça y est, on a fini de faire la lecture silencieuse. Qui va lire le texte à haute voix? Amat? Un jour, je serai capitaine. J'aurai un grand trauma. J'irai sur le mur lointain. Viendras-tu avec moi? Alors, l'action comment? Issan? L'action est dans la venir. Il y a l'indicateur de temps ici. Un jour. Bon, maintenant les enfants, on va récapituler tout ce qu'on a vu. Allez, on commence. Je serai, terminaison. A-S. On continue. Il sera A-S. Il sera A. Nous serons O-N-S. Vous serez E-Z. Ils seront O-N-T. J'aurai. Mayotte est l'île la plus au sud de l'archipel des Comores. Elle s'étend sur 374 km², à l'entrée du canal du Mozambique, entre les côtes africaines et Madagascar. Bande de terre rouge, végétation verte et luxuriante, lagons aux eaux turquoises, Mayotte est une île au panorama contrasté. Insolite, mystérieuse, musulmane, africaine et pourtant résolument attachée à la France, Mayotte vit en ce moment une mutation accélérée. Mayotte, l'île hippocampe, ceinturée par une impressionnante barrière de corail. Minuscule île située au nord-est, la petite terre fait face à ce qui constitue l'essentiel du territoire, la grande terre. Ni département, ni territoire d'outre-mer, Mayotte a hérité en 1975, au lendemain de l'indépendance des Comores, du statut hybride de collectivité territoriale. La petite terre et son lac volcanique, le Ziani. C'est ici que se fit l'histoire mahoraise. C'est ici que Mayotte se vêtit du drapeau tricolore d'une façon unique dans l'histoire de France. La petite terre accueillit pendant très longtemps les colons et les administrations, les services et l'économie, avant un transfert progressif en grande terre. Car c'est en face, en grande terre, que vit plus de 70% de la population. Pour s'y rendre, la barge. À Mayotte, la barge rythme la vie. Une barge aux navettes incessantes qui sert de trait d'union aux deux parties de l'archipel. Elle quitte en ce moment Dzaoudzi pour Mamoudzou, en grande terre. Véritable reflet de ce microcosme humain propre à Mayotte, brassage ethnique, social, culturel, la barge est aussi un lieu d'échange, de contact, voire de rendez-vous. En accueillant progressivement tous les pouvoirs, Mamoudzou devient peu à peu la vraie capitale. Dans les années 70, Mayotte était considérée comme peu peuplée. Mais le nombre d'habitants est passé de 45 000 en 75 à près de 120 000 aujourd'hui. Avec près de 320 habitants au kilomètre carré, la densité de l'île avoisine actuellement celle de la Belgique. Si la tendance actuelle se poursuit, les Mahorais seront 250 000 en 2010. La population aura encore doublé en 15 ans.
Le solde migratoire, principalement clandestin, est estimé à environ 20 000 personnes. La toute proche République islamique des Comores n'a jamais accepté que l'île Hippocampe décide de rester française, comme en témoigne la présence encore aujourd'hui de la quatrième étoile représentant Mayotte sur son drapeau. Des trois îles comoriennes, aujourd'hui beaucoup moins développées, on se presse vers Mayotte en quête de la liberté ou d'un travail. Mais l'immigration est loin d'être la seule raison de la forte poussée démographique mahoraise. Le taux de natalité est le plus élevé de France. La moyenne de plus de 5 enfants par femme suffit à le prouver. 60% de la population a moins de 20 ans. Elle s'appelle Issani, elle a 9 ans et habite Amjago dans le nord de Mayotte. Son village n'est qu'un hameau de Msamboro et compte pourtant près de 400 élèves en primaire. Issani a 5 frères et 5 sœurs. Son papa travaille aux eaux et forêts et sa maman élève les enfants et cultive la terre. Les Mahorais habitent encore essentiellement dans des villages côtiers, où ils vivent de pêche et de culture vivrière. Seul un petit tiers de la population parle le français. Dans les dernières années, Mayotte s'est beaucoup développée. Mais en faisant son entrée dans une économie de troc, le système d'économie monétaire est venu bousculer des règles ancestrales. C'est certain. Mayotte est en train de vivre une époque charnière. Le peuplement de l'île commence au IVe siècle, avec l'arrivée d'une population bantoue venue d'Afrique de l'Est. À partir du Xe siècle, des musulmans sunnites arabo-chiraziens, fuyant une invasion chiite, rejoignent à leur tour l'île Hippocampe. Fin XVIIIe siècle et début XIXe, les malgaches, des tribus essentiellement sakalava, viennent compléter le métissage. Dès leur arrivée à Mayotte, les Arabes instaurent une société très hiérarchisée. Vient s'ajouter plus tard le commerce d'esclaves. Mayotte est alors soumise aux assauts permanents de pirates, disposant de bases arrières à Madagascar. En 1832, le sultan malgache André Ansouli est porté sur le trône à Mayotte. C'est par lui que le destin de l'île bascule. Il faut dire que ses voisins de l'époque le malmènent. C'est une série de guerres civiles, de rapines, d'exactions, de brimades de toutes sortes. Et le sultan, d'origine malgache d'ailleurs, André Ansouli, écrit au roi de France, nous voulons devenir français. Et effectivement, la France, qui souhaitait avoir des points d'appui, on est en pleine période de trafic, de développement du trafic maritime, accepte. On demande au gouverneur de la Réunion, qui s'appelait l'île Bourbon, on voyait donc un représentant qui s'appelle le commandant Passot et qui vient ici, qui voit André Ansouli, et il conclut une espèce de marché où la France paiera. André Ansouli, qui finalement se révèle un souverain très moderne, demande pourtant plus que l'éducation de ses enfants soit assurée en France. Mayotte devient donc française par cession et non par conquête. Flanquée d'un traité signé par Louis-Philippe et le sultan, Passot prend possession de l'île le 13 juin 1843 en s'adressant ainsi aux Mahorais. Habitants de Mayotte, le règne du roi français est le règne de la justice et de l'équité. Les peuples qu'il gouverne, aussi nombreux que les étoiles du ciel, bénissent chaque jour son nom et prient Dieu et le grand Mahomet. Le règne de la terreur est passé, vous ne serez plus gouverné par le caprice, seulement par les lois. La stabilité politique assurée, les Français se lancent dans la plantation sucrière. Mais la redoutable concurrence de l'île de la Réunion et des Antilles aura vite raison des ambitions mahoraises sur la canne à sucre. L'expérience, qui n'a guère duré plus de 20 ans, a toutefois provoqué une première explosion démographique avec l'importation de main-d'œuvre des autres îles des Comores, de Madagascar et même du Mozambique. La France élargit en 1912 sa souveraineté aux autres îles de l'archipel des Comores et à Madagascar. Mayotte se retrouve intégrée dans un vaste territoire sous contrôle tricolore, Madagascar et dépendance. En 1946, est créé le territoire outre-mer des Comores. Les administrations et les investissements quittent progressivement Mayotte, qui amorce à peine un développement. En 1962, le gouvernement français ratifie la décision du changement de capitale vers la Grande Comore. Comme en témoigne leur devise qui signifie « Restons vigilants »,
les Mahorais craignent de nouveau la domination comorienne, et ils n'ont pas tort. Les vieux antagonismes ressurgissent. Très vite, les Mahorais se sentent dépossédés et brimés, eux qui étaient français bien avant leurs voisins. La lutte s'organise autour de jeunes personnalités montantes, dont Younoussa Bamana et Zenam Déré, devenus par la suite figures historiques de la résistance mahoraise. Un jour, j'apprends, si j'étais à Mamoudzou, qu'un seul bulldozer qui travaillait au sud de l'île allait partir à Moroni pour construire l'aéroport de Hahaya. Les femmes mobilisées en une nuit, ça partait vite, hein. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, il n'y avait pas de route. Hein. Alors on appelait ça Radio Cocotier. On en annonçait la chose à Mamoudzou, deux ou trois jeunes gens circulaient la nuit et faisaient passer le message. Et au jour donné, à l'heure donnée, les femmes étaient réunies sur cette plage-là où se trouvait le bulldozer. Le bateau arrive pour l'embarquer, rien n'a fait. En ces années 60, où le terrorisme se répand, les femmes mahoraises appliquent une méthode originale pour accueillir les indésirables dignitaires comoriens. Elles les encerclent avant de leur faire subir le redoutable supplice de la chatouille, en toute légalité. En tête du commando des chatouilleuses, Zenam Déré elle-même. Mais le processus d'indépendance est en marche. À partir du premier référendum en 1974, Mayotte doit se battre contre tous pour rester française, y compris contre l'État lui-même. C'est un véritable combat qui s'engage. Évidemment, Mayotte est pour le non à l'indépendance. Les trois autres acceptent, votent pour l'indépendance. Et c'est là, encore une fois, un petit clin d'œil de l'histoire. La France admet immédiatement le vote pour l'indépendance des trois îles. Mais pour Mayotte, on dit, c'est vrai, vraiment. Eh bien, on va recommencer. C'est bien ce que vous voulez. Une deuxième fois, on vote en 76. Mayotte dit, oui, nous voulons rester française. Eh bien, pour que tout soit clair, on va organiser un troisième référendum. En février 76, ils votent là pour la troisième fois, oui, à une écrasante majorité. Mesdames, Messieurs, nous avons été trompés et par le gouvernement comorien et par les autorités métropolitaines qui étaient en place. Mahoraises et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. Carvenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. Comme plus de 9 Mahorais sur 10, Abdou Hamada, le père d'Issani, se tourne chaque jour en direction de la Mecque. Si les hommes se rendent à la mosquée, les femmes et les enfants prient en général à la maison. Mayotte est profondément musulmane.
un islam sunnite qui se veut humain et tolérant. Nos rites sont des rites libérales. Et toujours, l'islam était toujours tolérant chez nous. Il n'y avait pas à forcer les gens. Les gens sont conseillés et ils suivent. Ceux qui ne veulent pas suivre, on se moque de lui parce qu'après, il y aura le jugement. Et le jugement commence depuis dans le tombeau. Donc, l'islam à Mayotte, ça a été très tolérant. Il n'y a pas d'islam d'intégrisme, de quoi ça ne se fait pas. Mais nous savons très bien, nous ne devons pas le cacher, que l'intégrisme s'est vu partout. L'islam était là et qui a été abandonné. C'est là qu'ils font leur tapage. Le grand cadi est la plus haute personnalité musulmane de l'île. C'est lui qui rend la justice de paix, qui arbitre les petits litiges. Les magistrats français assurent les jugements en appel. Jusqu'à présent, cette synthèse souple des droits français et musulmans a su garantir la paix civile. C'est l'un des aspects du paradoxe mahorais. Mayotte est islamique et pourtant matriarcale. La femme possède la maison, les champs, mais la polygamie reste encore d'usage, même si les choses sont en train de changer. En attendant, les Mahorais sont sans doute les seuls citoyens français à pouvoir épouser plusieurs femmes. On nous a dit de marier une femme. Si on est riche, on prend jusqu'à quatre. Mais il faut aussi être juste entre ces femmes, entre ces familles. Il ne faut pas aller rester avec une femme qu'on aime le plus et rester avec elle toute la nuit, puis quand à la fin de la nuit, aller chez l'autre. Au moment que celle qui était abandonnée, là, elle ne dort pas, elle pense toujours à son mari. Donc ce n'est pas la peine encore de faire des polygamies, etc. etc. Ce n'est pas le moment maintenant. Personnellement, je suis contre la polygamie. Et toutes les femmes mahoraises sont aussi contre la polygamie, parce que je crois qu'il y a aucune femme qui préférerait partager son homme avec quelqu'un d'autre. Mais je crois que s'il y a la polygamie encore à Mayotte, c'est qu'il y a certaines femmes qui se trouvent devant une situation de fait. Elles ne peuvent pas faire autrement. Alors elles acceptent cette situation de fait que de rester sans se marier, par exemple, que de rester célibataire, parce que le célibat est encore mal vu dans la société traditionnelle mahoraise. Le Coran dit... Si vous avez deux femmes, il faut les traiter de la même manière. Matériellement, c'est possible, mais en amour, ça se discute. Oui. Mais maintenant que on nous a créé des besoins, avoir trois téléviseurs pour trois femmes, avoir trois voitures, et plus les enfants qui se multiplient, alors que nous avons ce problème de planning familial, il faut limiter. Alors, nos filles ne disent pas que nos anciens n'avaient pas compris, non. Ma fille, par exemple, dit, moi, je refuse la polygamie. Et elle a raison. Moi, quand je serai grand, j'aimerais un mari pour moi toute seule. À Buenatsa, dans le sud de l'île, une expérience nouvelle et insolite a vu le jour il y a quelques années. Les femmes du village ont fondé l'association Usaruma pour travailler et communiquer en dehors des structures religieuses et faire valoir leurs droits. Signe d'émancipation, elles apprennent le français, mais sans pour autant abandonner une tradition spécifiquement mahoraise, le mzinzano. Ce masque de beauté est préparé en râpant du bois de santal sur une pierre de corail. Une fois sec, le mzinzano prend toute sa brillance et la magie opère. Quel est votre domicile? Mon domicile est de Bieniaoum, Buanataoué, de Nzoazia.
Ah, votre commune, quelle est votre commune? Ma commune. En produisant et vendant de l'artisanat local, les femmes tentent d'apporter un supplément de revenus dans leur foyer qui en a souvent bien besoin. Mais les débuts sont difficiles. Même si les difficultés inhérentes à un développement rapide demeurent, les Mahorais, et en premier lieu les femmes, placent leurs espoirs dans la scolarisation de leurs enfants. Dans sa famille, Issani fait partie de la première génération de filles à aller à l'école. À Mayotte, l'entrée en sixième est encore soumise à un concours, et à peine plus d'un enfant sur trois franchit ce cap. Parmi les langues parlées à Mayotte, le français vient loin derrière les idiomes ancestraux dont le chimaoré et le malgache, complété par l'arabe que les enfants pratiquent à l'école coranique deux fois par jour. En clair, les gosses passent autant de temps à l'éducation religieuse qu'à l'école républicaine. Sabiquna.
Bashirun. Bashirun. Nadhirun. Nadhirun. Zami'un. Zami'un. Shafi'un. Shafi'un. Rafi'un. Rafi'un. Fazarat wa ma aymanat ata. Mamoudzou, ville chantier, où se construit la Mayotte de demain pour faire face à un important exode rural. Mamoudzou, ville contraste, où les cases en torchis, encerclées par les commerces, résistent encore malgré tout. 25 000 personnes vivent ici, soit près du quart des Mahorais. Signe des temps, 6% des foyers ont une douche et 15% la télévision. Aujourd'hui, papa Jimo, Farqua Bazari, réduction de 2%. Je suis en train de faire chez Zongo. À Mayotte, le tourisme en est à ses débuts. Pour l'instant, il s'agit surtout de séjours très courts liés aux croisières. Le temps de quelques emplettes au marché de Mamoudzou et d'une traversée en barge, avant d'appareiller pour les Seychelles ou l'île de Nosibé à Madagascar. Chapeau, j'en ai des tas jolis chapeaux, des bas, des hauts, des petits, des gros, des tas chapeaux. Quand je vais à Mamoudzou, je mets mon chapeau roux. Quand je vais à Dzaoudzi, je mets mon chapeau gris. Chantez tout ça avec moi. De la nuit, Mayotte perpétue le merengue. Cette lutte, héritée des traditions négro-africaines, se retrouve sous d'autres variantes au Brésil avec la capoeira ou aux Antilles avec le lagia.
Ce qui impressionne d'entrée, c'est le contraste entre la violence extrême dans l'air délimité et le calme total aux alentours. À l'extérieur du cercle, le tambour bat le rythme. Les spectateurs sont fébriles. Les arbitres délimitent l'air de combat. À l'intérieur, les lutteurs dansent, se toient, se jaugent. Puis, au signal des officiels, les coups partent. Et en quelques instants, tout est réglé. Les choses évoluent ici comme ailleurs. En moins de 10 ans, la télévision a fait une entrée fracassante dans la société mahoraise. Éternel dilemme de la boîte à images. Disparition des fondements collectifs ou ouverture sur le monde et enrichissement. Certainement, un peu les deux à la fois. Cela dépend avant tout du choix des programmes. Comment crois-tu que je pourrais faire? C'est impossible, j'y arriverai jamais. Regarde-moi, oublie ta robe. Je crois que j'ai encore une plus grande surprise pour toi. Bonjour. Les footballeurs du Paris Saint-Germain s'offrent une place en quart de finale de la Ligue européenne des champions. Hier soir au Parc, ils ont battu le Spartak de Moscou par 4 buts à 1. La situation intenable des casques bleus de Bosnie pourrait conduire à leur retrait, c'est ce que souligne Alain Juppé. Il sera ce matin l'invité des petits déjeuners de France Inter. Habillage chez les Serbes empêche toujours l'évacuation des soldats bengalais des Nations Unies. Dans les Hautes-Alpes, 9000 litres de lait et 900 kg de beurre destinés aux plus démunis étaient revendus sous le manteau par des bénévoles du Secours Populaire. Les dirigeants de l'organisation caritative ont bien sûr porté plainte. Au PMU, ça ne va pas fort, les joueurs sont plus nombreux mais ils mettent moins d'argent sur les paris. Les conséquences de cette situation peuvent être graves pour les professionnels du sport. France Inter. En Bosnie, les Serbes se déclarent prêts à mettre fin immédiatement à la guerre et à renégocier le plus avec la communauté internationale. Dans le même temps, rompus à l'art qui consiste à souffler le chaud et le froid, ils empêchent l'évacuation des 400 casques bleus. Il faut parfois à Abdou Hamada plus de 2 heures de marche pour se rendre au travail. Au passage, parfois en bordure même du chemin, le maquis veille.
Ce lémurien d'espèce endogène est un peu le concierge de la brousse. Sitôt repéré la présence humaine, le maquis prévient les autres animaux. La nature est ici partout riche et belle, mais l'équilibre est fragile. Abdou et ses compagnons participent à un programme de reboisement destiné à lutter contre le fléau numéro un en matière d'environnement, l'érosion. Certains paysans pratiquent la culture sur brûlis. En mettant le feu, ils fertilisent sans effort. Mauvais calcul, car la terre donne quelques années puis devient totalement inculte et pour longtemps. Autre cause d'érosion, le pâturage intensif autour du pieu. En remettant en place sa couverture végétale, Abdou et ses compagnons luttent pour l'essentiel, la survie de leur île. Il faut savoir qu'il y a d'énormes problèmes d'alimentation en eau et que si on ne ménage pas la ressource, à terme, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Le fait de faire infiltrer de l'eau pour assurer de l'eau potable, c'est un des maillons de la vie. Le fait de faire infiltrer de l'eau, c'est aussi priver, disons, la nature de la force que peut avoir l'eau en tombant. Cette force qui va entraîner toute la terre cultivable, toute la terre arable, vers le lagon, envasement du lagon. Ensuite, qui dit envasement du lagon dit mort du corail. Mort du corail égale le lagon qui se vide de son poisson, et on le voit au niveau des pêcheurs, où traditionnellement le pêcheur maoré utilisait une petite pirogue, pêchait dans le lagon et nourrissait sans problème la population. On en est rendu maintenant à des barques motorisées, on va pêcher hors lagon et même pêche profonde jusqu'à 300 mètres pour arriver à ramener les protéines indispensables, disons, à l'alimentation humaine. S'il en est un qui a compris tous les enjeux liés à l'agriculture à Mayotte, c'est bien M. Younoussa Bamana. On l'appelle ici le président. Depuis l'indépendance des Comores, il a été préfet, puis député et continuellement à la tête du Conseil général, tout en s'occupant de sa ferme. Son credo est simple. Mayotte ne doit pas se jeter à corps perdu dans un développement à l'occidental. Mais tout d'abord, assurer son autosuffisance alimentaire pour miser ensuite sur ses propres atouts naturels. Moi, j'y crois, puisque je consacre la plupart de mon temps à démontrer aux Maorais que 40 000 jeunes, au jour d'aujourd'hui, n'auront pas tous du boulot, ni à l'agriculture, ni dans les entreprises. Nos parents sont encore à la terre, les jeunes veulent être tous au bureau. Lesquels bureaux ? C'est la question que je me pose. À Mayotte, le marché du travail a beaucoup évolué en 20 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance des Comores. Le SMIC est passé de moins de 400 francs en 1975 à plus de 2000 francs aujourd'hui. Bien sûr, le retard avec la métropole reste important, mais la concurrence avec Madagascar et les Comores est totalement déloyale en termes de coût de la main-d'œuvre. Les difficultés de l'économie mahoraise s'expriment dans les chiffres de sa balance commerciale. En 1992, le déficit s'est élevé à plus de 558 millions de francs. Certes, il est logique, compte tenu de la taille de l'île, d'importer dans de nombreux secteurs ou services clés. Mais Mayotte serait-elle condamnée à tout acheter sans rien vendre? N'aurait-elle aucune carte à jouer pour tenter de rétablir un équilibre commercial qui favoriserait son développement? Nous essayons de faire une économie, mais une économie, disons, à la hauteur et puis digne de Mayotte. Nous ne voulons pas faire une économie, disons, d'assister. Pourquoi je dis d'assister? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire que nous voulons simplement être français pour toucher le SMIC métropolitain. Et je crois qu'il y en a qui l'utilisent. Je crois que c'est le contraire. Nous voulons construire une économie, mais une économie qui s'assoit sur les réalités mahoraises. Ce n'est pas un hasard si l'ilang est le symbole de Mayotte. L'essence, tirée de sa fleur, constitue le meilleur fixateur de parfums.
C'est actuellement la première source d'exportation de la collectivité territoriale, la vanille venant en second. La culture d'Ylang fait vivre 2000 personnes et apporte un complément de revenus non négligeable à beaucoup de petits paysans. Une fois récoltée, la fleur doit être immédiatement distillée pour ne rien perdre de son arôme. Voici l'un des nombreux alambis de brousse, nécessairement situé proche des approvisionnements en eau et en bois, les deux éléments nécessaires à toute distillation. Les cuves, les conduits, le foyer, un peu de bois et beaucoup de savoir-faire, et bientôt coule le précieux liquide, l'essence d'Ylang. Créée en 93, la coopérative de fruits et légumes centralise les cultures de rente de toute l'île. Maîtriser la production, la développer, stabiliser les revenus, créer de véritables emplois dans l'agriculture pour fixer les jeunes dans leur village, autant d'enjeux que les Mahorais commencent à saisir. Depuis quelques mois, la coopérative produit le jus de fruits Mahoua. Les premières démarches effectuées en métropole laissent présager d'excellents résultats à l'exportation pour ce produit authentique et parfaitement biologique. Durant les cinq dernières années, Mayotte s'est dotée d'infrastructures très performantes en matière d'échange économique. Inauguré en 92, le port en eau profonde de Longoni, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Mamoudzou, a comblé un vide important. Le trafic maritime a augmenté de près de 30% en une seule année. Mayotte peut désormais rivaliser avec les plus grands ports de la région. La modernisation des infrastructures concerne également l'aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi, en petite terre. L'allongement de la piste permet déjà d'accueillir de plus gros avions pour faire face au développement du trafic aérien qui a doublé en 5 ans. D'après de nombreux experts, le développement économique et touristique de Mayotte passe par l'accueil des gros porteurs. Cela aurait pour conséquence agréable de diminuer de 50% le prix du billet d'avion pour la métropole. Mais rien n'est encore officiellement décidé. L'aéroport de Pamandzi pourrait bientôt perdre un peu de son cachet. En attendant, le visiteur qui débarque pour la première fois peut vivre des choses surprenantes. Il se demandera si les champs sont pour lui. Mais non, il s'agit simplement d'un départ de pèlerin pour la Mecque. Comment accueillir les touristes de plus en plus nombreux? Pour le moment, les capacités hôtelières de Mayotte sont très limitées, à peine plus d'une centaine de chambres. Quelques plages seulement sont équipées. Deux projets d'envergure permettront de doubler cette capacité et la création d'une école hôtelière va dans le sens d'une implication locale dans ce développement. Loin des supermarchés de vacances, Mayotte devrait séduire les amoureux de la nature et de l'authenticité.
certes, le lagon est splendide. Mais Mayotte ne sera jamais Maurice ou les Seychelles. Les plages de sable blanc, les seules vraiment prisées par les touristes, sont peu nombreuses. Les autres plages sont habitées, et c'est peut-être mieux ainsi. Avant tout, Mayotte existe et vit. Et c'est là son meilleur atout pour attirer le visiteur, pour peu qu'il ne recherche pas seulement le soleil. Quel que soit le développement économique et touristique envisagé, il faudra compter avec une identité et des traditions fortes. Ces jeunes garçons construisent leur banga. Adolescents, ils quittent le domicile familial pour habiter ces cases en torchis fabriquées avec les amis. Avec l'émancipation, ils espèrent rencontrer l'âme sœur et rivalisent pour cela de slogans aguicheurs. À Amjago, comme partout à Mayotte, les fondements sociaux sont axés sur une vie communautaire forte. Le moindre événement prend des allures de fêtes somptueuses. Il existe plus d'une vingtaine de cérémonies populaires et religieuses. Ici, les femmes associent la célébration d'un anniversaire de mariage, le noce d'or en quelque sorte, avec un daïra. Musique, chant, danse et mysticisme se mêlent, parfois jusqu'à la transe. Ça fait 20
Oui, une mathématique, Fatine. Moyenne na 8 sur 10. Kulazima na kaza huvahava mba bandana na hazo mba hasana tsara na mehei kena ilamba na u angansoma zuvahafa. Fu manzaria mba mwedeli nitapunusina u manzaria mba yuru mwedeli mba nkifana wizi. Ha? Keti signature nazo. Mayotte grandit. Ses enfants vont à l'école, de plus en plus nombreux. Il faudra bien gérer le problème démographique. Et puis la collectivité territoriale attend que la France veuille bien se décider. Personne ici ne s'estime à l'abri des Comores qui continuent à revendiquer l'île. Va-t-on encore demander à Mayotte si elle veut bien être française? Ou va-t-on, comme le souhaitent la plupart des Mahorais, lui accorder enfin le statut de département? Mayotte, puisses-tu devenir... en demeurant toi-même. J'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond. Je suis pour mes propres odeurs. Mm-hmm.